Hey! 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 Bien le bonsoir. Bien le bonsoir. Bien le bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va. On repart sur Flight Simulator. Le World Tour. Le World Tour. On continue. Et on s'était arrêté alors. Sur YouTube, vous ne l'avez pas parce que c'était un vol un peu compliqué. Pas en termes de vol à proprement parler, mais t'as une merde internet, enfin bref. On repart de Jaipur et on va à New Delhi en passant par Agra. On reste en Inde. On reste en Inde. La prochaine étape, l'Himalaya. Vivement, vivement. Mais il faut s'en rapprocher. Il faut s'en rapprocher, donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Allons-y. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a mis 500. On a un vol d'à peu un bon 50 minutes, 50 minutes, 1 heure à peu près. Jusqu'à Agra. À Agra, on va descendre pour évidemment le Taj Mahal. Et ensuite, on repart vers New Delhi. On partira de New Delhi pour prochaine session, hein, mais vers l'Himalaya. Ce sera un vol sans doute un peu plus long. J'ai envie de le faire en une fois. Alors, navigation, c'est bon. L'autostrade, on mettra après. Versus, c'est bon. C'est parti. Le son du jeu, vous l'avez. Allez, let's go. Vie de Jaipur. Jodhpur, pardon, on est à Jodhpur ici. Jaipur, on y va. Allez. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a fait un truc bizarre là. Il m'a fait un truc hyper bizarre le jeu là. Ok, merci. Merci pour ce décollage hyper chelou. Je sais pas ce qui s'est passé là. Hop, l'avantage de l'avion de chasse. C'est parti. Faites ça avec un A320. Vous verrez ce que ça donne. C'est le crash assuré. Hop là. Voilà. On se remet dans l'axe. Ok. Et c'est parti pour la navigation. Et oh putain. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Oui, il y a un truc qui a pas plu là. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que ce décollage pourri? Bah, mec. Ah, putain, j'ai toujours le frein à main. Ouais, mais peu importe. Ok. Ouais, navigation, d'accord, merci. La vitesse, d'accord, on va la baisser. Oh, le décollage de merde. C'est le pire qu'on ait eu sur ce live. Hein. La vitesse c'est fait, le versus, le master, ok. Allez, c'est parti. C'est bon, non, oh, je sais pas ce qui est passé. Oh, l'Inde, celui-là. Ah, j'ai pas lancé le. Attendez. Si, j'ai lancé. Hop. Tac. C'est bon. Ouais, il récupère la voie de navigation, d'accord. Jusque-là, tout va bien. Alors, le plan de vol qu'on a à l'affichage, que je vais vous montrer dans l'instant. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Ouais. Route plein, vas-y. Tac, voilà. Voilà. Donc le plan de vol qu'on a ici n'est pas le bon. Pourquoi? Parce que en fait, on part ici de Jodhpur. On va à New Delhi, bien sûr. Sauf qu'on va jusqu'à Agra. Enfin, à Jaipur. Et ensuite Agra, et ensuite bif,
on bifurque sur Delhi. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a pas pris le bon plan de vol, mais l'idée c'est ça. J'aille pour Agra et ensuite New Delhi. On va à 10 000 pieds. Non, on va pas à 10 000 pieds. Non, on a pas besoin. 9 000. Oula, attends. 9 100, c'est. Oh, vache. J'ai du mal. 9 100, voilà. Ça ira bien. La vitesse. Oh, la vitesse, on peut augmenter. On a du kilomètre. On a à peu près 680 km à faire, à peu près. On va se faire direct à 500 nœuds marins. Voilà. Parce qu'on a déjà 300 km à faire. Pourquoi t'es penché? Navigation, c'est bon. Versus, c'est bon. Autotrottle, c'est bon. Voilà. On est parti. Arrivé vers. Vers Agra, bien sûr. On va réduire la vitesse et descendre en altitude pour observer le Taj Mahal. En attendant, voici l'Inde avec ses bizarreries graphiques. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a des champs et puis ensuite il y a du flou. Un peu étrange. Voilà, on est à 500 nœuds marins de vitesse, on est bien. km avant Jaipur, et ensuite de Jaipur, on sera plus très loin. Ce sera un vol assez rapide, mine de rien, entre guillemets. Toujours à la manette. Merci le pilote automatique. 9 100, on y arrive. 502, on y arrive. Et ensuite la navigation. C'est beau quand même. C'est beau quand même. J'hésitais à faire le vol en TBM. Je me suis dit, wow, 50 minutes, 1 heure en F22. Combien de temps en TBM wow, ça nous aurait bien pris 2 heures, quoi. Un bon 2 heures. Donc non. Mais on avance, on avance. J'ai hâte d'être à la prochaine étape qu'on fera du coup la semaine prochaine. Ou dans le courant de la semaine, je sais pas encore. Parce que j'ai un autre live que je mets. J'hésite aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, on est le combien? On est le 5 mars. J'hésite aujourd'hui à faire un autre live qui durera à peu près 3 heures. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que. Je sais pas. On verra à la fin. Honnêtement, je pense pas. Ça se fera dans le courant de la semaine ou le week-end prochain. Sur Octopath Traveler 2. J'ai fait le 1. Je l'ai pas fini. J'ai pas fini le boss de fin. Parce que, bah. Il y a un truc qui m'a gêné. Il y a un truc qui. Non, mais dans le système du jeu, il y a un truc qui m'a gêné. Mais le 2, voilà. Le 1, j'ai bien aimé. Graphiquement, c'est beau. C'est très beau. J'adore. Le 2, bah, on verra. Soit tout à l'heure. Ça m'étonnerait. Soit dans le courant de la semaine ou week-end prochain. Un live de 3 heures. 3 heures, bim. On verra. On verra, on verra. Mais on le fera. Quoi qu'il en soit, on le fera. Mais avant ça, on continue le World Tour. Donc, on part vers New Delhi. Et voici le lac dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle le lac. Parce que c'est un lac. Le lac Luni. Vous voyez qui fait toute cette partie-là. Assez grand, hein. Assez grand, hein. Avec un petit filet qui arrive jusqu'ici, mais non, non, assez énorme. Assez énorme.
C'est pas de la rigolade, hein. Donc oui, disais-je, là on va jusqu'à New Delhi, c'est le point de départ pour l'Himalaya. Le prochain vol, faut que je fasse le plan de route, mais le prochain vol, normalement, l'Everest. L'Everest. Ah, ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. L'Everest. C'est quelque chose quand même. Même en jeu, tu vois pas ça tous les jours. Alors, c'est un truc que j'ai observé, parce que la dernière fois, on a eu un problème de connexion. Là, c'est plus le cas. Je trouve que cette partie-là de l'Inde, au niveau des terres, etc., c'est très concentrique autour de la ville. On voit vraiment le centre, qui est la ville, et les terres qui sont vraiment concentriques, quoi. C'est assez particulier. Allez. 174 km de Jaipur. Jaipur, plutôt grande ville hein, de l'Inde. Clairement, si tu fais un circuit touristique en Inde, tu passes par Jaipur. Hein, c'est obligé. Voilà. On voit un peu de relief. Ça doit être très très beau vu du sol. C'est très beau vu d'altitude, surtout. Voilà. Vous voyez ici avec le plan d'eau, le lac et les différents reliefs autour, ça doit être très très beau. Ça doit être. Ah, par contre, niveau climat, on n'est pas en météo réel parce que le jeu, je crois, merde toujours hein, à ce niveau-là. Enfin, pas en altitude, mais près des villes, on se retrouve toujours avec le brouillard, c'est un peu pas ouf. Ça doit être très très particulier. Ça doit être quelque chose, hein. On en voit des beaux paysages. Je le dis, je le redis à chaque live. Ce jeu est incroyable. Voilà, Jaipur, non, 150 km. On va assez vite, hein. On est quand même à 500 nœuds. On est bien, on est bien. C'est-à-dire que 500 nœuds, faut faire à peu près fois 1,6, je crois, 1,7. On est quasiment à 700 km/h. Hein. C'est bien, c'est bien. Hein, on est en chasseur, voilà. Et c'est beau. Et c'est vrai que du coup, oui, on a eu un souci de connexion vraiment la dernière fois parce que c'était des champs à perte de vue. On se serait cru en Picardie, un décor complètement connu. Et là, c'est pas le cas, là, c'est pas le cas. Donc, je pense vraiment qu'on a eu un souci de connexion la dernière fois. Que vous ne verrez pas sur YouTube, encore une fois. Ce vol-là, je l'ai pas mis sur YouTube parce que. Pas un problème de connexion, tout ça. Non, ça m'a pas plu, donc je l'ai pas mis. Celui-là, a priori, il sera. C'est toujours la musique, mais que pour moi. Juste hop, mettre un truc un peu plus sympa pour moi. Et c'est parti. Vous ne l'avez pas à voir? Non. Une fois qu'on sera vers Agra, on va baisser en altitude beaucoup, en vitesse beaucoup. On va mettre la caméra extérieure pour pouvoir profiter du Taj Mahal. On devrait faire le virage un petit peu avant parce que l'avion, il faut qu'il fasse sa manœuvre. J'aurais dû mettre le point après. Mais on le verra. On le verra. On est à 500 nœuds, j'ai l'impression qu'on n'avance pas, quoi. Voilà, pour du vrai, là, on peut avancer. Hein. On va se mettre à 550. Allez. 560 même. Bien sûr, F22, on peut se faire plaisir. On voit quand même l'urbe. Et encore une fois, cet aspect concentrique hein, des terres agricoles autour de la ville, c'est assez impressionnant. Où est-ce qu'on est ici?
On voit quand même, on est vraiment dans une partie de l'Inde ici là, très peuplée ici. Hein. On n'est pas loin du Triangle d'Or. Hein. Ah non, le Triangle d'Or, pardon, c'est Thaïlande, non c'est pas. Mais on n'est pas loin du Cachemire, Pakistan, Indochine. Ah, ici là, ici. Et cette partie-là qui est plutôt en plaine est très peuplée. Je vous rappelle pour mémoire que l'empire d'Alexandre le Grand s'étendait de la Macédoine ici jusqu'à la vallée de l'Indus ici. Vous voyez, on est sur l'histoire là. Donc ne suivez pas la ligne violette qui ne prend pas en compte le plan de vol. On va jusqu'à Jaipur. De Jaipur, on va jusqu'à Agra. Et seulement après de Agra, on bifurque à New Delhi. Ça va aller assez vite parce que voilà. C'est pour ça que j'ai pris le chasseur, le F22, parce qu'avec le TBM, ça aurait été un vol très intéressant, quoi qu'il en soit. Ça aurait été quand même beaucoup plus long. Là, on est sur un petit stream de 1 heure, 1 heure et demie. Avec le TBM, ça aurait été 2, 3 heures. Alors, on voit quand même cet axe routier. On verra quand on descendra que bon, le jeu gère pas mal de choses, mais pas tout. Après, Jaipur, on bifurque et on descend. Hydratez-vous, bien sûr. Tout. Hey. Pardon. J'ai la musique, pas vous. Ça doit vous devez être en train de vous dire qu'est-ce qu'il écoute comme musique de merde. Vous n'auriez pas tort. Hein. C'est vrai que c'est un souvenir d'enfance. Enfin, d'enfance de l'adolescence, c'est pas top. Oh, Sean Paul. Sean Paul. Hey, tu. Ça me get tout. Ça me get tout. Alors, 55 km avant le virage, au-dessus de Jaipur. Jaipur, grande ville hein, de toute cette partie de l'Inde. Le Rajasthan. Le Rajasthan, j'ai l'impression qu'en Inde, il n'y a que le Rajasthan qui existe, alors que non, on ne fera pas Bombay. Non, on ne fera pas Bangalore. Non, on ne fera pas le Sri Lanka. On fera pas Ah, Calcutta peut-être. Ah, Calcutta, il y a moyen. Mais tout le sud de l'Inde, on le fera pas. On a trop de chemin à parcourir. On a trop de chemin à faire. Le prochain vol, on part de New Delhi. On fait la chaîne de l'Himalaya et je pense qu'on se posera à Darjeeling. Si ce n'est avant, on verra. Le Tibet, j'aimerais bien faire le Tibet et en même temps ça me fend un peu le cœur de faire le Tibet, donc on verra. J'aimerais bien me poser à Lhasa, mais ça me gêne un peu. On verra. On verra, on verra. Je pense que on fera un vol de New Delhi, qu'on ira jusqu'à l'Everest, qu'on se posera a priori à Katmandou, et ensuite de Katmandou, on fera Lhasa et Darjeeling. Tac tac. Je pense qu'on fera ça parce que Lhasa, quand même, c'est un endroit. Voilà, si on le jeu permet de le voir, la vie permet pas de voir Lhasa, quoi. Enfin, c'est plus compliqué. Donc, profitons du jeu. Je pense qu'on fera un petit tour jusqu'à Lhasa. Alors que nous voilà à Jaipur. On s'en rapproche. On voit quand même une urbanisation nettement plus importante par rapport à tout à l'heure. Jaipur, définitivement grande ville.
Dinde. Je pense qu'il y a des petits bugs d'affichage parce que là, ça devrait être limite un bidonville. Hein. Peut-être la vitesse qui fait que, mais d'une certaine façon, vous voyez l'étendue de la ville, quoi. Avec ce relief qui doit être particulier. Hein. Et on tourne là, non? Ouais, on tourne. Très bien. Alors, dans 195 km, le Taj Mahal. Bien évidemment, on va descendre. Et à l'approche, on va réduire la vitesse. On va descendre. De 1000. C'est un petit peu de mal parce qu'on est en altitude ici. Hein. Baisse pas la vitesse, on la baissera après. Excusez-moi, je reviens juste un instant. Eh ben voilà. 140 km avant le Taj Mahal. On réduit pas la vitesse tout de suite, c'est pas la peine. Très impressionnant cette région avec ce lac qui ressemble à un fleuve, mais qui est un lac. Hein. Et on voit tout de suite hein, la vie qui s'est construite autour, toutes ces agglomérations là. On est vraiment dans la région agricole de l'Inde, complètement. Parce que l'Inde, tropicale, montagneux, enfin voilà quoi, c'est entre guillemets pas un pays facile. On descend à 2000, ouais, ce sera bien. On descendra plus loin vers le Taj Mahal. Avec l'autoroute ici. Voilà, qu'est-ce qu'on va vite? Qu'est-ce qu'on va vite? L'avantage d'être avec un chasseur, hein. Ok, on suit la nave.
Arriver vers le Taj Mahal, on va beaucoup réduire la vitesse. Le minimum, on sera à 250, je pense, hein. Et on prendra la caméra avec le drone pour se rapprocher au maximum du Taj Mahal. Je sais pas si on pourra vraiment se mettre dessus. Je pense qu'on sera quand même un petit peu loin, mais on aura malgré tout une jolie vue. Oh, speed, on speed, hein. On speed, mais il faut. Il faut. On voit pas encore les contreforts, hein, de l'Himalaya. Je suis assez étonné, c'est assez plat. C'est à une certaine altitude, mais c'est assez plat, quoi. C'est vraiment, on est en plaine, quoi. On est juste à côté de l'Himalaya, quoi. Je trouve ça assez ouf, en vrai. Géographiquement, j'ai du mal à comprendre cette région. Après, voilà, hein, c'est. On a de la marge. 89 km avant le Taj Mahal. À une trentaine de kilomètres, quarantaine de kilomètres, on va bien réduire. Est-ce qu'on se calerait pas à 1500? Allez, ça se tente. Non, 1500. Ça sera vraiment du ras-mat, hein. Et est-ce que ça vaudra le coup de remonter après? Parce que on n'est plus très loin, hein, de New Delhi, hein, de la destination. On n'est plus très très loin après ça. Le Razmot, oh, les pauvres. Heureusement que c'est un jeu, hein, parce que ils auraient les oreilles là. Ils en pourraient plus. Faut chier! Ah, c'est. Le F22, c'est cool, quoi. Ah, j'aime bien. On est vraiment sur un avion extrêmement maniable. Avec une prise en main au niveau du pilote automatique qui est vraiment, mais alors, tellement facile. C'est quand même hyper appréciable. Si jamais vous voulez vous mettre à Flight Simulator et que vous voulez contrôler le F22, mais contactez-moi. Je vous donne les infos, c'est tellement simple. Tellement simple. Regardez-moi ça. On fait vraiment du rasmot, hein, c'est. Les pauvres. Ça fait 200 km qu'on vole comme ça, il y a les chiens qui aboient tout le long des 200 km. Qu'est-ce que c'est que le bordel? Et ils ont raison. Ah, graphiquement, quand on se rapproche du sol, ah, le jeu, il. Ah non, il veut plus trop, hein. Pourtant, je suis plutôt en élevé, hein. Niveau graphisme, niveau gestion, j'ai quand même pas le plus gros PC de la planète, hein, clairement pas. Mais c'est une belle bête et il gère ça normalement assez facile. Eh bah, ouais, compliqué quand même, hein. Compliqué quand même. Oh, on speed, qu'est-ce qu'on speed? On se rappellera quand même, hein, le gaillette qui est marqué ici. Vous voyez ici, là, sur l'aile, gaillette. L'avion est bien modé, hein, mais il y a des limites, hein, il n'y a pas de pilote et tout. Dommage. Oula, on réduit. Non. Hop, allez. Tac, 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 tac. 400, 300, 200, 250.
Allez. La vitesse du drone. Je m'éloigne de l'avion pour vous offrir un petit point de vue sympa. Je sais même pas où je suis là. L'avion, c'est bon, il fait son truc tout seul. On va aller voir le Taj Mahal. On passait, je crois, au-dessus aussi de d'un endroit intéressant. On l'a peut-être passé. Je sais pas. Ah, c'est peut-être après. Le temple du lotus, quelque chose comme ça. Ah, c'est. Ah, voilà, le Taj Mahal. Temple du lotus. Ah, on l'a passé, je pense. C'est très beau temple. Voilà. Voilà l'endroit qu'on survole. Regardez ça. Oh, incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Oh. Je sais pas où est l'avion. Regardez-moi ça. Je vous offre le Taj Mahal. Ah, c'est beau. Magnifique. Allez, on va reprendre le vol. Magnifique, hein. Ah, je suis déçu, le temple du lotus, là, on l'a passé, hein, je crois. Enfin, il me semble, on va voir. De toute façon, on verra après. Taj Mahal. Magnifique. Magnifique. Oh, on l'a vu de près, c'est cool. On l'a vu de près, c'est cool. Voilà. Et maintenant, direction New Delhi. Ça doit être un temple encore ici. Agra, ça doit être quelque chose, hein. Même avec juste le Taj Mahal. Ça doit être assez ouf. Allez, on réaccélère. On va se refouler à 400 nœuds. Allez, 420. On va juste changer un petit peu le l'angle. On va pas suivre la navigation. On va suivre. Tac. Voilà. Un autre plan de vol. Très très beau. Putain, je suis content d'avoir pu voir cet endroit d'aussi près en jeu. Hein. Peut-être en vrai un jour, mais en jeu déjà, c'est pas mal. Et on repart là, sur une zone mais tellement désertique. Alors non, ce sont des champs, mais. C'est jaune quoi, c'est jaune, c'est sec. Le fleuve est pas loin. Hein. On a loupé le. Où est-ce qu'il était ce temple du lotus? Ah, c'était peut-être à Jaipur. Hein. C'était peut-être à Jaipur en vrai. Ah non, non, je sais, je me souviens. Ce sera à New Delhi. C'est un peu bizarre cet endroit. On dirait un avion qui s'est crashé. Bah, c'est carrément un avion. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un peu chelou, hein. Voilà. Ce
C'était un peu chelou, on aurait dit vraiment. Enfin, c'était un sigle d'avion, hein, on va pas se mentir. Alors, on va se rapprocher petit à petit, hein, de l'atterrissage. On vise Noida parce que la piste, comme vous voyez, elle est plus comme ça. Vous voyez ici, hein. Donc, on vise plutôt par ici, quoi. Avant de bifurquer et de partir. On a de la marge. Pour l'instant, on speed. Ouais, c'est ça, je vous ai dit une petite cinquantaine de minutes. Là, on est à 40 minutes. Je pourrais réduire en fait. Mais c'est sur la fin, on va réduire. Ouais, assez sec. Assez sec, hein. C'est pas ouf par ici. Ah, le prochain live, l'Himalaya. Ah, ça va être un truc de fou. L'Himalaya, quoi. Je sais même pas à quelle hauteur je devrais voler. Aucune idée. Aucune idée. Non. M'énerve cette caméra qui est tellement claire. Ah bah je peux même plus la régler. Bon, écoutez, on va rester comme ça. Voilà, donc on s'écarte du plan de vol pour essayer d'avoir une meilleure arrivée. Voilà. On va peut-être repiquer légèrement. Ouais, légèrement vers l'ouest. Voilà. Que ne vous fiez pas à ce que vous voyez, hein. Là c'est le chemin d'entrée, donc ça n'est pas l'aéroport à proprement parler. Ça va aller très très vite, hein. Ça va aller très très vite, on va baisser tout de suite. 350, allez hop. On ralentit. Parce que là ça va arriver très très vite, hein. Vers Noida. Donc le prochain vol, et on sera à New Delhi et on va bifurquer, voilà, par ici. Alors soit on se posera à Katmandou, je sais pas. En même temps, déjà Katmandou, ce sera quelque chose. On passera par Lhasa parce que je veux voir les palais de Lhasa. Je veux les voir. Je veux absolument les voir. Donc on partira quoi qu'il en soit vers Lhasa. Peut-être que New Delhi, Katmandou, ce sera bien. Vous voyez, on ira vers Bageshwar et puis hop, piquera vers Katmandou. Ça fera un vol d'une petite heure, hein, comme là maintenant. Mais Lhasa, ouais, c'est un peu un passage obligé, quoi. Qu'est-ce que ça donne? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Là, on pique vers Noida. Très bien. Ok. Ok. Dès qu'on voit Noida, on saura que ce sera le signal. On va ralentir. 300. Hop, voilà. Come on, dance. Ah, vous avez pas la musique. Ok. Wow. Ouais. Un jour, faut que je m'entraîne pour atterrir comme avec cette visu-là. Faudra que je m'entraîne. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné, mais alors pas du tout, quoi. Je pense que le nombre de fois que je vais me crasher avec cette vision-là. Putain, vous ne l'entendez pas, c'est dommage. Daft Punk. Around the world. Ok. Bon, là, peu importe, parce que
C'est pas précisément là qu'on va. Là, on est bien. On est dans la bonne direction vers Noida, très bien. New Delhi, on fera le tour de New Delhi en partant. Je pense qu'on fera, on démarre, on décollera comme ça, on se fera un petit tour et puis hop, on partira. Ça doit être une ville assez impressionnante vue de haut. Ce qu'on réduit tout de suite. Ouais, on va réduire. On va réduire. De 180, c'est bien. Alors, on va réussir à atterrir. L'idée, c'est quand même d'atterrir de la façon la plus douce qui soit. Ce qui n'est pas gagné. On dirait pas qu'on est en Inde. Hein. Franchement. On pourrait être dans le. J'allais dire le Périgord. Non. On pourrait être dans l'Aisne. Il n'y aurait pas de différence. Des petits villages, des petits. C'est peut-être l'architecture qui poserait un peu question. Même si le jeu, bien sûr, n'est pas particulièrement modé, hein, à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça donne? On doit plus très très loin du point d'entrée. Hein. Pas réduire. 260. Hop, hop, hop. Oh bah 250, c'est bien. 250, c'est bien. Voilà. Là, on est vraiment sur un petit vol tranquillou. Ok. Ah, quand je pense à la prochaine session, là, l'Himalaya, l'Himalaya. Ce sera avec le chasseur parce que c'est quand même beaucoup plus maniable qu'un Airbus. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre avion, hein, qui pourra nous permettre vraiment cette ascension-là. Ah, ce sera quelque chose. Hein. Ce sera quelque chose. Alors, on va se concentrer un petit peu. Oh non, la marche. Une petite marche quand même. Là, c'est encore une fois, c'est pas l'aéroport, hein, c'est le chemin d'entrée là. Qui est très très proche de l'aéroport. Hein. En vrai, on pourrait aller vers cet endroit. Hein. Mais on devrait encore faire un petit virage vers l'ouest. Juste là. Donc on va le prendre un petit peu plus large. Juste histoire d'être tranquille. Et là, on suit la courbe, tac, vers Noida. Et on bifurquera légèrement avant. Ça va le faire. Taj Mahal, quel endroit. Quel endroit majestueux. On aura vu ça. On a revu ça. On a franchement vraiment zappé l'Europe, hein, de l'Ouest. L'Europe tout court d'ailleurs, mais on connaît tellement l'Europe. J'avais envie de d'aller voir ailleurs. J'avais envie de un peu de paysage et on va être servi, on va être servi. On est au tout début, hein, de ce tour du monde. Hein. On est parti de Lille, on est là à New Delhi. En réalité, c'est moins d'une journée de vol, hein, avec un Airbus. Donc on est entre guillemets pas si loin. Même si on a fait déjà du chemin. De la marge. On a encore de la marge. On va pas descendre beaucoup plus bas, hein, parce que on est un peu au-dessus, mais pas non plus de ouf, hein. On va pas se mentir, hein. Donc on est bien sûr loin de la navigation parce qu'on a bifurqué. Vous voyez ici les avions de ligne. J'ai enlevé les matricules, hein, à l'écran. Mais on a des avions qui atterrissent là. Voilà, à New Delhi. Ouf.
Ouh, c'est bien modé. Ouh, c'est bien modé. La route qui va dans l'eau. La route qui est sur l'eau. Ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Hein. Bon, après, voilà. C'est déjà pas si mal de savoir qu'il y a un cours d'eau à cet endroit-là. Allez, un atterrissage assez cool, s'il vous plaît. Alors, là, encore un petit peu de chemin. On va bifurquer légèrement avant, par ici, là. Sauf qu'on ne le voit pas, hein, il n'y a rien. Hein. On bifurquera vers quoi, 28 degrés, à peu près. Une fois qu'on sera. En fait, une fois qu'on est à peu près ici, même un petit peu avant, on peut bifurquer. Ah, il m'a changé le point de relais. Ah, il m'a changé le point de relais. Logique, hein, au plus j'avance, au plus il change. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Qu'est-ce que c'est que cette plateforme? Tiens. Qu'est-ce qui se vend? Oh, c'est assez étrange cet endroit, on dirait des pistes un peu là. Où est-ce qu'on en est? Par ici, hein, par ici, on a encore un petit peu de chemin. On va déjà réduire. On réduit juste très léger, hein, très léger. C'est plus par ici. On peut. Voilà. Robe et furc. Léger. Ouais. Assez désertique quand même. Hein. Vers New Delhi. On va commencer à bifurquer. Parce que t'as 30 degrés déjà. Le temple du Lotus, c'est pas très loin. Hein. J'aimerais bien retomber dessus quand même. On est bien là. On est très bien là. Ah, j'aimerais bien retomber dessus. Il était assez. Je l'ai déjà survolé, il était assez beau. Hein. Allez, on va baisser à 1000. Allez, 900, vas-y. Ah mince, je crois qu'on va repasser devant, quoi. C'est dommage. C'est un vol que j'ai fait il y a longtemps là, mais je sais que c'est à New Delhi et plutôt vers le sud de New Delhi. Où est-ce qu'il est ce truc? Vous voyez que là, on est bien. On est très très bien pour la piste là. Loupé, je pense. On est bas. On est très très bas.
On est très très bas. Oh les pauvres. Avec ce bruit d'avion là, ils doivent être saoulés. J'ai l'impression qu'il faut qu'on bifurque bien plus que ça, non? Encore un petit peu. Encore un petit peu léger. J'ai tellement l'impression qu'on va se manger un truc là. Bonjour. Oh les routes là. Oh là. Ouais, vas-y, faut qu'on remonte un petit peu là. Faut qu'on remonte un petit peu là, je crois quand même. Ah, il est là-bas. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Regardez-moi cette beauté. Qu'est-ce que c'est beau. Ah dommage, on l'a bifurqué juste un peu trop tôt. Magnifique, hein. Magnifique. On va réduire encore un petit peu la vitesse, 240. Je sais pas si on est bien parti là. On va rebifurquer. Essayer de se mettre bien. Je sais pas où est l'aéroport. Là-bas. Vas-y, on le reprend en manuel. Allez. On sort les roues, très bien. D'accord. Ah oui. On est. Bah, on y est, quoi. Attends, c'est là ou c'est pas là? Bah oui, c'est là. Oh, l'atterrissage. Oh, l'atterrissage, il va être costaud, là. Oh, l'atterrissage, il va être compliqué. Oh, l'atterrissage. On rappelle qu'on essaye de faire un atterrissage pas trop dégueu, hein. Bah, c'est pas si mal. Bah, c'est pas si mal. Dis donc. Voilà, nous voilà à New Delhi. Eh ben, c'est pas si mal. Écoutez, on va regarder un petit peu après le score, mais ça me semble pas dégueu. Ça me semble pas dégueu du tout, hein, en vrai. Bon, on n'a pas l'avion pour, mais on va se ranger quand même là-bas. Bah, c'est pas si dégueu, hein. C'est pas si dégueu en vrai, hein. Le petit dérapage. Le petit dérapage. Y a personne. Y a personne dans cet aéroport. Vas-y, on va se mettre à notre place quand même. Hein.
On va pas se mettre là, hein. On va se mettre par ici. Ah, il y a déjà un avion. Il y a déjà un avion. Vas-y, on va se foutre là-bas alors. Y a personne? Personne peut nous accueillir. Bon, on va se foutre là. On récupère la ligne jaune ici, là. Hop. Et voilà. L'atterrissage. Moins 286. On est bien. On est bien, on est large. Hop. Merci, au revoir. Et voilà. Bien écoutez. Un petit vol qui, ma foi, s'est bien déroulé. Bien déroulé. Nous voilà à New Delhi. Déjà. Déjà. Prochain vol dans le courant de la semaine ou la semaine prochaine, direction l'Himalaya, l'Everest. On survole l'Everest dans le courant de la semaine ou la semaine prochaine, au plus tard. Et on se posera, je sais pas où est-ce qu'on se posera. À Lhasa. Ah, j'ai envie de survoler Lhasa. Ou là, on se pose à Katmandou, je sais pas. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!